j'achète jamais rien et des jouets d'Asie, tu sais, un peu. C'est pas un magasin de moto, tu vois. C'est plus marrant, mais on est toujours magasin. Salut! Il nous faut une autre pente. Bonsoir. Voilà. Hein? Salut! C'est dur à expliquer. Quand tu les fais, ça a l'air simple. Mais il y a toujours même les projets en acte, t'as l'impression que le final Merci beaucoup. Merci à vous surtout d'avoir assisté à cette 45e anti-conférence de l'Université du Tout Savoir qui portait sur la fin. La fin, évidemment. Vous aurez depuis le temps réussi à faire le distinguo entre la fin FIN, qui est la fin de mon. Pardon. Vous aurez distingué évidemment de la fin FAIM, qui tiraille encore certains d'entre nous, spécialement ceux qui d'entre nous sont passés pas trop loin de la cuisine. Attention, parce que l'édition de 1958 est très très semblable. Hein. Ils ont à peine remaquetté la couverture. Mais en termes de contenu, on voit bien qu'il y a eu énormément de pertes de rigueur. En 1957, c'était vraiment une équipe extraordinaire, puisqu'elle était conduite par Monique Archambault. Je vous rappelle que nous arrivons à la fin de l'année et que les examens vont tomber. Et vous allez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des files d'attente à mon bureau pour avoir les polycopiés. Les polycopiés, moi, je veux bien les faire, mais c'est, je les prends sur mon temps de travail. Et mon temps de travail. Waouh! C'est Antoine Zara. T'es venu comme dans Chenaz in Brest? Ouais. J'ai vu l'épisode d'hier. C'est hyper élitiste ce que tu dis parce que personne ne. On va tourner tout à l'heure, t'es au courant? Ouais. Oui, on tourne tout à l'heure. Oui, plusieurs. Ouais, c'est ça, j'ai mis de... Mais tard, quoi. Plusieurs. Salut. Salut. On va faire après minuit, je crois.
ne réponds pas, mais est-ce vraiment ton numéro? J'essaye quand même une dernière fois. C'était Cynthia. Thank you.
côté. Helper, flashback souvenir, ambiance. Toute la musique et du rendez-vous, va donner le 5 micro et on est parti. Allez, c'est parti. Là, c'est tous les crieurs qui sont sur place. Ils nous ont appelés ou pas? Benny Broski, ils ont dit. J'ai failli me renverser. Il n'y a pas d'effet de...
Thank you.
fait 10 ou 20 années, vous voyez ce que je fais. Exactement, et donc parlons de ça. Élève, non? Sûr. J'ai pas fait beaucoup de fac. Prends un calvesse. Smooth. Parce qu'il y a ça dans ton truc, il y a tout le... Heureusement que t'as affaire à des Brestois, hein, calvesse. Bah, les Brestois, quand même, c'est un peu la lie. Tu vois, la lie, le mauvais vin. Tu serais tombé sur un Guilhem, tu te serais fait tabasser. Ah, tout à l'heure, c'est con que t'avais pas ta caméra. J'avais clé de bras, j'avais des gourjoutes et tout, j'étais... Oh mais là, bah, là, j'étais maravé, quoi, maravé. Quoi. Mm. Alors que... Mais t'as résisté. J'avais bonne conscience. Et grave. Bonne conscience. Ça, c'est très bien. Bon. Qui a du feu? Moi. Ouais, bah super. C'est ça, culture publique, aujourd'hui. Il faut aller dans le privé pour pouvoir passer les morceaux tranquilles. En sculpture, quoi. Merci. Ouais, chez Baptiste, quoi. Ça va ouais, un petit peu. Dans le privé, en fait, il faut ouvrir sa petite galerie de fils de pute, là. Yeah.
J'ai le baston du siècle. Madame Tom et Anna.